Et le Seigneur vous bénisse. La dernière fois, nous avons parlé au sujet du régime alimentaire. Et nous avons dit que les boîtes de conserve, les boîtes de tomates, les boîtes de choses que nous achetons, cornet bif, les tomates en boîte, toutes ces choses-là que l'on aime toujours ajouter dans des pondous, hein, qu'on appelle un sombe, hein, au Katanga ou bien Kaleji au Kasai, toutes ces choses-là ont une grande teneur en sel. Vous savez que le sel détruit notre système et crée souvent des maladies très importantes, comme les maladies des hommes évolués, les maladies appelées les maladies modernes, comme l'hypertension artérielle, qui est parmi les maladies cardiovasculaires. Vous savez, l'athérosclérose et toutes ces autres maladies-là, ce sont des boues, hein, qui sont à l'intérieur des veines et qui empêchent la circulation, donc du sang, qui empêchent la circulation de l'oxygène, et tout cela amène à des maladies subites à nos frères et à nos sœurs. Changez votre régime. Par jour, faites au moins les sports. Les sœurs, je vous demande de faire juste ceci. Vous les sœurs, chaque matin, vous calculez d'abord votre âge et votre capacité musculaire. Vous devez toujours avoir la capacité de toucher. Donc, vous mettez vos mains comme ça. Ces points ici, premièrement, vous devez commencer avec les doigts. Si les doigts arrivent, alors vous devez arriver maintenant avec les pouces. Vous voyez, les pouces doivent arriver par terre. Vous voyez, les plantes des mains. Et puis, vous faites au moins 30 à 40 par jour. Hein? Et puis, vous devez quand même, hein, vous étirer pour que les Michelins, hein, les Michelins, ce sont les mantumbus, hein, puissent un peu, hein, les muscles puissent un peu s'étirer, quoi. Sinon, plus ça se forme, ça forme comme un ressort et vous n'allez pas bien respirer. Et dans votre maison, sautez quand même, hein, même si... Allez pour les sœurs. Et vous faites comme ça, chaque jour, premièrement, ça fait que, hein, les ventres puissent descendre et puis vous avez la souplesse, hein? Les hommes aussi, évitez de manger la nuit, évitez de manger le sucre, hein? Vous voyez un frère, il prend des ngunda mélangé avec les riz blancs, vous savez, c'est plein d'amidon, et vous mettez les sels raffinés, non, les sucres raffinés, d'ailleurs à l'intérieur il y a déjà les sels raffinés. Mon frère, même si on manque vraiment d'intelligence, vous ne voyez pas que c'est une bombe, hein? L'incunde déjà les gaz, hein? Vraiment, et puis vous y ajoutez des éléments raffinés, mais vous ne voyez pas que c'est une bombe, vous êtes en train de vous tuer, hein? Donc mangez peu de ces histoires. Oh, bisotoliaka sakamadezo, ce sont de très mauvaises nourritures. Oh, bisotoliaka bapondou, on met les bilchards, les ceci, les cela. Vous prenez l'équipe magique, vous mettez. Regardez vraiment la mort. Vous prenez maintenant les bilchards, hein, avec les sels de conservation, vous mettez. Vous prenez encore les sels, vous mettez. Et puis vous mélangez toute votre pâte là, vous faites sortir un truc à la table. Vous dites que là-bas il y a beaucoup mais ça va n'aller. Il y a qui j'en veux bien. À Maroc, on voit vraiment. Écoutez mes soeurs, faites attention, gardez très bien vos maris et faites de la bonne cuisine. Par exemple, le matin, vos maris doivent prendre un jus d'ananas que vous-même vous fabriquez à la maison. Un jus d'ananas. Que vous-même vous fabriquez à la maison. Et vous devez avoir un mixeur. Vous achetez des ananas. Hein, premièrement, ça a une action bactérienne. Hein, ça aide à laver, hein, les reins et tout cela. Vous voyez. Donc, c'est un très bon jus.
naturel. Oubliez tous les jus de supermarché. Jetez toutes ces histoires-là. C'est de la mort que vous achetez. Jetez les coca loin de vous. Fanta, toutes ces choses-là. Vivez ces histoires-là, ne prenez pas de l'eau. Après quelques minutes, vous allez vous sentir très fatigué. Vous qui aimez manger de la viande, mangez la viande sous forme de bouillon. Ne la mangez pas grillée. Tout ce qui a de bon goût là, que nous fondons là. Et après avoir mangé vos histoires, là, faites des exercices. Vous ne pouvez pas manger le foufou à 12 heures avec la viande et puis venir manger à 22 heures le foufou ou à 18 heures avec la viande encore. Comment cette viande-là sera digérée pendant que le corps n'est pas en activité? Vous comprenez? Vous qui mangez les sakamades avec les riz, les losso, tout ça mélangé, vous ne voyez pas beaucoup de glycogène comme ça qui passe dans le sang et ça constitue maintenant des maladies comme le diabète type 2. Vous ne vous voyez pas. Vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas. Vraiment, vous ne vous voyez pas. 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 Les tomates. Hein? Les matins, vous ne vous voyez pas. Les tomates, vous ne vous voyez pas. Il y a un pika, nous avons du moment. Oubliez, ne prenez pas mal à café, moutinda, biaï. Tchaï, 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 attention. Quand on va prendre tchaï, boutou, couteau. Nous tous nous voyons quand nous voyons. Après, frère, on nous voit une bimpa. Couteau-nous. Vous voyez dans le moulin à la nous. Il y a un long de conseil. Nous avons une page, nous avons le film avant Nigeria, mais il va nous l'élève. Abonnez-vous à la page de l'Interplanétaire pour nous voir mal à nos vies. Nous sommes là. Hein? Dieu n'appelle pas des gens comme ça par hasard. Il y a combien de passeurs médecins que vous connaissez? Hein? Et combien de interplanétaires que vous connaissez? Nous baba là, nous les gens, et ouais, tout le monde est au continent. Et puis tout le monde est bicol. Ou bien on est bicol ou bien on est du riche bas autochtone. Et quand nous sommes malades, tout le monde est là. C'est très important. C'est très important, mes frères. Et le Seigneur vous bénisse. C'était le message que je voulais vraiment vous communiquer. Pour cette chose. Shalom à vous.